Ouais, fait peur, oh là là! Je m'attendais pas à ce qu'il y ait autant de monde. Bonjour, ça va? Oui, ça va. Salut! Aujourd'hui, vous êtes venu voir un spectacle qui s'appelle Cap ou pas Cap. C'est un spectacle interactif. Ça veut dire que vous avez le droit de participer. Avant tout, je vais vous poser quelques questions. Vous êtes prêts? Oui. Ouais? Ok. Est-ce que vous êtes cap de rigoler avec nous? Oui. Oui! Est-ce que vous êtes cap de chanter avec nous? Oui. Super. Et est-ce que vous êtes capable de nous applaudir bien fort? Oui. Génial. On va pouvoir commencer alors. Je sais, t'es amoureuse. Elle est amoureuse, elle est amoureuse, elle est amoureuse. C'est même pas vrai. Toi t'es vraiment rien qu'un bébé de me dire ça. C'est pas vrai. Moi je suis pas un bébé, je suis un grand, j'ai 10 ans. Et même que je connais des chansons avec des gros mots dedans. Tu mets tes doigts dans ton nez alors. Non, les filles, on fait pas ça. Toi, jamais tu manges avec les mains. Non, les filles, on fait pas ça. Et toi, jamais tu fais caca. Non, parce que nous, les filles, on est des princesses. Bah, y a une princesse, ça ferait bien d'aller sur le trône. Hein. Tu tapes dans les mains avec moi. L'autre jour à la récré. Il était tranquillement installé à chercher ses crottes de nez. Hey Timothée, si t'as...
ailleurs qu'il faut chercher. Tout le monde les bras en l'air. En bas. En l'air. En bas. Cet après-midi au fond de la classe est assis mon pote Mathias. En équilibre sur sa chaise, soudain il lâche une caisse. Hé hey Mathias, t'es vraiment dégueulasse. Par à la conquête des océans. Hey, si tu prends vraiment pour un aventurier et que tu aimes explorer, c'est ailleurs qu'il faut chercher. Et en l'air, en bas, en l'air, en bas. De retour à la maison, tonton est assis dans le salon, de la bière un peu partout et des chips sur les genoux. Hey, tonton, t'es vraiment un cochon. Plutôt que de regarder la télé, va plutôt faire les courses au marché. Répète. Va plutôt faire les courses au marché. Hey, si tu prends vraiment pour un aventurier. J'ai trouvé à quoi on pourrait jouer comme jeu. Ah bon, à quoi? On pourrait jouer à papa et maman. D'accord. Alors toi t'es papa, vas-y t'es papa, alors tu bricoles, papa il bricole, vas-y bricole. Alors moi je suis maman, alors maman elle fait à manger, elle fait les courses, elle s'occupe des enfants, et puis aussi elle fait le ménage, attends, et puis elle fait le repassage. Mais attends, c'est vraiment trop nul ton jeu. Tu veux pas faire un foot plutôt? Eh hey, les gars, on fait un foot? Ouais. Ouais. Eh hey, les filles, on fait un foot aussi? Non. Bah si, attends, les filles elles ont le droit de faire un foot, hein. C'est pas qu'un jeu de garçon. Hein. Mais parce que sinon c'est pas juste. Eh hey, les filles, à chaque fois que je dis c'est pas juste dans la chanson, tu chantes avec moi c'est pas juste? Oui. Merci. Alors en période de Covid on peut pas, mais normalement tu peux te balancer et toucher tes voisins comme ça. Ça fait du bien de toucher les gens. Alors tu peux le faire tout seul, tu fais comme ça. Moi j'ai les cheveux longs, je dois faire des shampoings. Jules a les cheveux courts, c'est bien mieux pour le bain. Moi j'ai de longues robes, je peux pas les passer. Oh, Léo a des pantalons qu'il a le droit de trouer. À toi. C'est pas juste, c'est pas juste, je veux d'être un garçon. Encore. C'est pas juste, c'est pas juste, pour mettre des pantalons. Moi j'ai du rouge aux ongles, je peux pas les cailler. Paul a les mains crades, je sais pas où il a traîné. J'ai pas le droit de courir, parce qu'à mes pieds, j'ai de belles chaussures que je peux pas abîmer. À toi, c'est pas juste. C'est pas juste, je veux être un garçon. Encore. C'est pas juste, c'est pas juste, pour jouer au ballon. Mais attends, bah d'accord je suis une fille, mais si je veux je peux faire des trucs de garçon, pas vrai? Oui.
faire mieux que les garçons. Un gros verre de terre tout gluant. Bah non, ça c'est dégueu. Moi j'ai pas envie de faire ça, moi. Moi j'ai envie d'aller à travers le monde, sauver des gens, d'avoir une couronne et une grande cape, d'être Wonder Woman. Ok, est-ce que vous êtes capable de faire un jeu avec moi? Oui. Vous êtes prêts? Est-ce que vous connaissez 1, 2, 3 soleil? Oui. Ok, alors on va faire un 1, 2, 3 soleil spécial spectacle. Ok? Quand je compte 1, 2, 3 soleil, vous avez le droit de gesticuler comme vous voulez, ok? Mais dès que je vous regarde, vous devez vous arrêter et être figé comme des statues. Vous avez compris? Vous êtes prêts? Attention! 1, 2, 3, soleil! T'as bougé? Ok. 1, 2, 3, soleil! 1, 2, 3, soleil! 1, 2, 3, soleil! T'as bougé? 1, 2, 3, soleil. Mais ça va pas la tête, mais tu me fous peur. Je suis une super héroïne, t'as vu? Je suis une super héroïne. Tu bouges vraiment pas, toi. Est-ce que vous pensez qu'il est cap de jongler? Vous pensez qu'il est cap? Mais je l'ai jamais fait. Mais tu vas y arriver. Vous pensez qu'il est cap ou pas? Mais j'ai jamais fait. T'as le droit de rebouger, hein. Attention, on va vérifier s'il est capable de jongler. À la 1, à la 2, à la 3. À la 1, là. À la 2, là. À la 3. À la 3. Mais j'entends rien, à la 3. Allez, hein? Tapez-moi. Oh, j'y arrive. Mais je ne puisse plus rien, ça brûle. Bravo. Maintenant, est-ce que vous êtes capable de chanter cap ou pas cap avec nous? Ok, alors, quand je chante, je te dis cap ou pas cap, et tu me réponds cap ou... pas cap. T'as compris. Cap ou pas cap de glisser du toboggan? Cap. Avec la tête la première, bien plus marrant. Cap ou pas cap de sauter dans le bassin des grands, en faisant la bombe, c'est éclaboussant. On peut être tout petit et n'avoir peur de rien, rien à faire des interdits. C'est moi le plus grand. Cap ou pas cap de marcher, les yeux fermés. Cap. Un pied devant l'autre, les doigts dans le nez. Cap. Cap ou pas cap de manger le paquet entier. Mène pas mal au ventre, je suis en acier. On peut être tout petit et n'avoir peur de rien, rien à faire.
Adrien ont joué pendant des années dans la cour de récré. Ils ont joué aux billes, au foot, à la Barbie, au bras de fer, des jeux de filles, des jeux de garçons, on s'en fiche. Et si Karine a appris beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses sur elle, Adrien aussi a appris beaucoup, beaucoup de choses sur lui. Par exemple, eh ben, que même s'il était très, très maladroit, quand il se mettait à jouer du ukulélé, il venait très, très fort. T'as vu ou pas? T'as vu? T'as vu? Regarde. Ben, applaudis alors. Oui. Il y a écrit un truc en tout petit, est-ce que tu veux que je te le lise? Quand Karine va lever la pancarte aïe, tout le monde va devoir chanter aïe avec elle. Et quand Karine va lever la pancarte ouïe, tout le monde va devoir faire ouïe avec elle. T'as compris? Oui. On vérifie. Bon, ils ont compris, tu peux chanter ta chanson. Depuis que je suis tout petit, j'ai une tare. Tout ce que je touche, ça finit par terre. Je suis maladroit. Attention, et mon pied dans le seau, je plonge. Je suis déséquilibré, j'essaie de me rattraper, mais je pars en arrière et dévale l'escalier. Ah, je suis maladroit. Et que je veux réparer un truc, ça se termine souvent avec fracas. Je me mets à l'ukulélé, à force d'en jouer, je soigne ma dextérité, je serai plus maladroit. Plus maladroit. Cet instrument de musique, il est vraiment magique et j'aime ça. Adrien, qu'est-ce que tu fais? Ça gratte. On fait une petite pause, excusez-moi, ça gratte. Ça gratte. Où ça? Là. Ok, je vérifie ce qu'il a, attention. Ah, c'est un énorme bouton de moustique, ça veut dire qu'il y a un moustique ici. Il est là. Ah, bougez pas, bougez pas, bougez pas. Faites le moustique, faites le moustique. Attends, attends. Faites le moustique. Je vais l'avoir. Il est rapide, Non, c'est pas vrai, attends. Ah, c'est pas possible, c'est pas vrai, il va trop vite. Ah, c'est pas vrai, ces moustiques, c'est toujours pareil. Ils viennent la nuit, ils te piquent, toi tu grattes et lui fais zzzz, je t'ai piqué, zzzz, je t'ai piqué, zzzz. Moi j'ai une entourloupe pour endormir le moustique, tu veux que je te la donne ou pas? Ok. Je lui chante une berceuse. Donnons le moustique. Sous tes draps,
jour, elle a sonné l'heure du repas. Oh. Tu allumes la lumière. La scène, la scène, la scène.
Sur notre site unyuku.fr et vous pouvez acheter nos albums CD qu'on a enregistrés en studio avec tous nos copains. Il y a de la contrebasse, il y a de la batterie, c'est vraiment génial, on s'est vraiment éclaté. Voilà, merci beaucoup. Mais on va pas se quitter comme ça. On va se quitter avec une dernière chanson pour se dire ciao.